une fille, la troisième, elle nous vient de Limousin, Corrèze appelée. 3627 mètres pour Eva Miadea. La Ligue des Pays de Loire avec la Chapelle-sur-Erbe est également récompensée. Deuxième place pour Léa Navarro, 3670 mètres. 1733 mètres. Voilà, on les applaudit franchement. Pour la première marche, comme leur collègue tout à l'heure. Voilà. Vous montez sur la première marche à tout le monde pour une photo un petit peu plus plan serré. Et puis, mesdemoiselles, les mini-filles, vous allez les rejoindre. Photo à 6. Attention de ne pas tomber, Thomas. Voilà, laissez passer les demoiselles, peut-être. Voilà, mettez-vous autour. Et c'est pas fini, les récompenses. Et oui, pendant ce temps, on va demander aux équipes d'Île-de-France, d'Aquitaine et du Centre de se rapprocher, elles aussi, du podium, les équipes au complet. Pour l'Île-de-France, l'Aquitaine, le Centre, ces équipes seraient sur le podium. Suite du classement, 4e, Carrie avec 151 points. 7e, la Bretagne avec 136 points. 8e, la prendre place derrière les podiums pour qu'on puisse remettre le trophée qui est remis en jeu chaque année, le trophée récompensant l'équipe vainqueur du challenge des ligues. À se serrer sur la troisième marche du podium. Il y en a qui vont s'asseoir devant, il y en a qui vont être à côté, il y en a qui vont des filles, des tout petits, des plus grands. Ah, ils ont même squatté la première place. Oulalalala, qui va les déloger de ces places? Alors, deuxième, avec 187 points, 97 points chez les hommes, 90 points chez les femmes, c'est l'équipe de la Ligue d'Aquitaine qui se classe deuxième. Allez, même chose, des petits, des grands, des garçons, des filles. On a vu que la LIPA était plus en nombre, hein. On a l'impression qu'ils sont 4 fois plus nombreux que les Aquitains. Et l'équipe qui va repartir avec le trophée qui récompense ce challenge des ligues 2012 dans le cadre de la Journée nationale des jeunes à la marche. C'est une équipe qui a totalisé 214 points, 105 points chez les hommes. 109 points chez les femmes. Applaudissements pour l'équipe de la Ligue du Centre. Et je pense qu'on va pouvoir y ajouter des applaudissements pour l'ensemble des participants. Faites du bruit. Timide les applaudissements. On commence. Allez, applaudissements pour l'ensemble des participants. Allez, on refait un 10. Allez, un 10, un rappel. Et alors, regardez, oui, à nouveau des applaudissements. Et regardez, quelqu'un qui vient d'être tout nouvellement élu à la présidence de la Ligue du Centre d'athlétisme, qui se trouve mis à contribution dès le lendemain de son élection pour remettre le trophée à des athlètes. Oh là là, pas de bêtises. Pour l'instant, il n'y a pas de bobos ou très peu. On va essayer de ne pas en avoir. Félicitations à tous. Merci à tous ceux qui vous suivent tout le long de l'année. Merci à toutes les bonnes volontés, juges officiels, officiers, qui ont été là toute la journée pour que tout se passe bien. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Bon retour à toutes et à tous. Soyez prudents sur la route. On a envie de vous revoir une autre fois sur le stade Colette des Sons. Mon affiche en photo. Voilà, et on se donne rendez-vous certainement ici même l'année prochaine pour cette même année. On attendra les calendriers officiels. On a plus de machin. On trouve bien sa place à Saran. T'as dit quelque chose? Non, ça se dit rien. Et la ville de Saran qui offre également une coupe pour la ligue
qui remporte ce challenge. Donc, dans la... notre principal partenaire.